Et play 1, et rien d'autre. Et c'est parti pour cet acte 1 des demi-finales entre Genève et Zoug. Avec un premier puck là pour Simeon, ça a été contré. Filpula, Miranda, Carrère, Hanson, Kreis. Interception là de Ritter, le tir. Semi Kreis, Herzog. Encore une fois, Hanson piégé, Richard dans le slot, le tir qui a été con sur Kovar. La reprise encore Maillère qui s'interpose devant Martini. Où est ce puck? Il est finalement bloqué là par le Cerber Grenat. Berg. Saint-Hélaire au centre de la défense. Saint-Hélaire le tire. Ça passe. Pourtant 10 buts en saison régulière pour lui. Joss. Le puck qui traîne devant Giannoni. Le retour. Oh la parade de Giannoni sur ce tir de Miranda. Martikainen pour le petit puck là, tout en douceur, posé dans le slot. Omark qui a voulu jouer derrière lui. Et il y a un contre maintenant, c'est un 2 contre 1 là. La reprise de Martini, non c'est raté. Oh le but de Martini! Il rate sa reprise, ça couche Maillère. Et pour les Zougois ici au Vernet. La passe de Leuenberger. Oh dans un angle quasi impossible à Martini. Il rate complètement sa reprise, sa couche Maillère. Et puis ensuite il y a ce geste. Bertadia. Ouais, il y aura une pénalité là. Il y aura de la pénalité. Geyser qui a perdu son casque. Pouliot qui se retrouve au sol. Ouais, c'est Geyser qui s'arbitre pour dire qui sera puni. Alors il y a le check de Geyser et puis ensuite Pouliot là qui se retrouve sur les... Kovar pour Hoffman en très très bonne position, le tir d'Hoffman. Alors est-ce qu'il a tiré à côté? Retrouvé pour l'entrée de zone. Richard et goal. Richard pour Praplan. Et Genève qui égalise après seulement 1 minute et 1 seconde de tout marquage. Ah ouais, une fausse compagnie là au Zougois. Et Richard qui est évidemment très content de son assist, la réaction d'Arkitkainen. Alors ces 5 premières minutes sont servetiennes, la reprise des goals. Arkitkainen pour Omark. Et Genève qui... Oh, quelle passe d'Arkitkainen. Ça paraît tellement facile. Il se débarrasse du défenseur, il a même plus le puck sous contrôle, il regarde où est Omark, il reprend le contrôle du puck, il le donne. C'est 2-1. Et Genève qui a renversé. Et il va y aller la Tomernes, le décalage, Pouliot le tire. C'est dans la pote pour égriner le temps. Mais il faudra déjà contrer Simeon là qui s'est échappé. Simeon, où est Spock? Il attrape. 5 secondes, le puck est servetien. Et Genève qui va s'imposer. But sur la sirène. 2-1 ou 3-1, ça ne changera rien. Les arbitres qui vont aller voir à la vidéo ce marque. On a eu un gros match de deux gardiens, deux équipes qui ont clairement envie d'aller de l'avant. Et on se réjouit évidemment déjà de l'acte 2 de dimanche. Alors moi je vous souhaite une excellente soirée et je vous laisse en compagnie de Jonathan, Stéphane et de Geoffrey Vauclair. À bientôt.